Je suis la méchante sorcière d'Aïson. Je vais ajouter du homme et la main et bicarbonate de soude. Et ensuite, il a un ingrédient et puis tout le monde va tomber empoisonné. Ah, le cabanat sucre, le cabanat sucre. Le cabanat sucre, le cabanat sucre, le cabanat sucre. Ah. Je suis vraiment désolé d'avoir fait ma sorcière inventée pour ajouter les ingrédients dans un chaudron noir. Et maintenant, on va parler de l'arrangement sur l'autoroute du Québec. Il reste à faire et ensuite, après cela, et c'est quoi? Je vais aller prendre un bon bain ici. Puis maintenant, on va parler de l'arrangement sur l'autoroute du Québec. Allons-y! L'autoroute 410 est pas faite et ça fait longtemps et maintenant c'est complété et la barrière, il a mis une graffiti et j'aime pas ça puis je veux plus. Ensuite, l'autoroute Robert Clich, il n'est pas fini en 2009 jusqu'en 2015 ou 2016. Et maintenant, c'est complété jusqu'à la fin de l'autoroute 73. Ensuite, de l'autre côté de la 73, c'était à côté du lac. Il s'appelait de la région touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et maintenant, c'est complété ou pas complété? Et je pense que c'est complété. Les autoroutes 73, l'autoroute 5, en 2012, ils n'ont pas fait le prolongement de l'autoroute 5 et le prolongement. C'est l'autoroute 19, n'est pas encore construit jusqu'à Bois-Tifillon et Montréal. C'est à cause du trafic seulement. C'est tout ce qu'il faut, les employés des travaux de l'arrangement d'autoroute manquent de la construction. Oh oui, j'ai une idée. Je me lève debout pour regarder quelque chose. Voici mes céréales Oreo que j'aime beaucoup pour déjeuner. Et alors, je vais ranger mes choses et je vais aller prendre un bon bain chaud. Allons-y! Vous savez que je suis dans le bain pour être propre et j'ai mis mon costume de bain et parce que je suis tout nu et c'est privé. J'ai mis une radio sur la table et je l'ai éteint. Je suis en train de regarder le Publisac au Québec, dans mon journal et en ce moment, je suis dans la région touristique du Bas-Saint-Laurent proche de la fin d'autoroute 20, Jean Lesage. De l'île de la prolongement d'autoroute. Et ensuite, je suis en train d'écouter la radio enregistrement au début des années 2000 et j'ai mis une cassette dans les anciennes radios et je l'ai éteinte. Bon, j'ai le goût de rester dans le bain pour me relaxer sur l'autoroute du Québec et dans une heure, je vais faire une balade à piétons sur l'autoroute. Je voyais un panneau touristique de la pictogramme pour les sorties d'autoroute et il s'appelait une visite d'entreprise commerciale ou d'une fabrication artisanale, la chocolaterie Fée Gourmande.
C'est ça le titre pour les sorties de drogue d'une visite d'entreprise commerciale au fait ou d'une fabrication artisanale au Québec. Et ensuite, il s'appelait le pictogramme visite d'entreprise commerciale et centre hôtelier. C'est ça que j'ai inventé le nom de pictogramme. Alors, je vais installer une chaise de plage. Ah, comme je suis confortable ici et je me relaxe en jouant au solitaire, je trouve ça vraiment drôle d'être ici. Bon, j'ai le goût de rester ici. Ok, lorsque je vais faire la danse, et comme dans mon rêve en art dramatique, et lorsque j'ai rêvé, j'ai déjà entendu ça, cette musique dans mes rêves, ou peut-être dans la vraie vie. Mais allons-y d'abord. Ok, dans 5, 4, 3, 2, 1. J'ai une bonne idée pour vous. Et est-ce que je vais retourner de l'autre côté comme on revenait en ville et j'aime ça faire une balade à piétons et mais dans 3 ou 5 jours prochains, je vais aller me faire quelque chose après une longue balade. Ouf! Comme je suis fatigué faire une balade à piétons jusqu'ici. J'ai déjà changé mon vêtement et noir et c'était la semaine passée. Ok, d'abord, je vais vous montrer jusqu'où. Je me suis passé par l'autoroute 55 et ici, c'est l'autoroute 30. Il n'est pas encore construit et ce n'est pas fini et c'est fermé, puis donc, on laisse comme ça. Ah oui, j'ai très une bonne idée pour vous. Et savez-vous quoi? Je vais faire mélanger des trois verres et je vais mettre un morceau de cadeau dans un verre pour me mélanger et surtout pour pas que je triche, il s'appelait le jeu de mélange de verres. Ok, tu es prêt pour ton jeu de mélange de cadeaux? Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Celui-là. Il n'y a rien dans un verre, mais la prochaine fois, tu auras le cadeau pour ma fête. Mais c'est ma fête et c'est dans le mois de décembre? Oui, je sais que nous deux, c'est ma fête. Et dans le dernier mois de l'année seulement avant Noël, mais les deux ensemble, ok? Ok, qu'est-ce que t'aimerais à ma fête? J'aimerais avoir un gâteau au Pillsbury en chocolaté traditionnel. J'ai une question pour toi. Ok, on arrête de me répéter comme moi. D'accord, je suis vraiment désolé. Bon ben plus tard, je vais écouter l'enregistrement des annonces au début des années 2000 pour continuer. Une lectrice de nouvelles consentante et une locataire qui ne l'est pas. Se soulager dans un ou dans une machine à glace et une course de chevaux effrénée. Faut le voir pour le croire, mercredi 19h30 à TQS.
20 minutes, c'est trop long. Ah, j'adore écouter les enregistrements des annonces Québec au début des années 2000. Et oui, j'ai 20 cassettes d'enregistrements des annonces et même j'ai même commandé par internet ce que j'ai. Je voyais que le monsieur de la constructeur il vibre, il est en train de vibrer avec un café par la main droite et ça prend la gomme cappuccino. Apportez deux emballages de Trident ou Dandy Nice chez PFK et obtenez un Pepsi de 20 onces gratuit. Offre valable jusqu'au 4 avril 2001. Ce lundi à TQS. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les 7 boules de cristal. Troisième épisode. Ça, c'est vraiment drôle que les aventures de Tintin et les 7 boules de cristal, mais pas de vidéo de Tintin avec les scènes coupées comme dans les bandes dessinées. Je suis en train d'écouter Tintin et les 7 boules de cristal. Que son mari allait être atteint d'un mal mystérieux. Or, le régisseur du musical vient faire une annonce urgente. Le mari de la spectatrice en question, Madame Clermont, vient de tomber gravement malade. Le capitaine Haddock et Tintin sont frappés par cette coïncidence. Tintin plus encore que le capitaine, car il se souvient que Clermont faisait justement partie de l'expédition Sanders-Hartmut. J'aime ça écouter cette boîte de cristal au complet, scène coupée. Quand le régisseur vient annoncer le numéro suivant. Mesdames, messieurs, le pénible incident qui vient de se produire, ayant fortement impressionné Madame Yamila, la direction se voit dans l'obligation de passer immédiatement au numéro suivant. Voici donc Ramon Zarate, le célèbre lanceur de poignards. Vous allez voir, c'est un type formidable. Et oui, j'ai déjà déménagé ici sur toutes les autoroutes du Québec, mais la 15, juste en ville, mais pas en campagne. Et j'aime beaucoup aussi être à la Minerve. Et oui. J'ai deux maisons, il y a une ici et une ici à la Minerve. De ce côté devant vous étant extrêmement dangereux, il me permet de vous demander le plus grand silence. Capitaine. Plus difficile maintenant. Oh, regardez Tintin. Zara tourne le dos à la cible et lance un couteau. Oh, bravo! L'épaule droite de l'Indien. C'est un as. Oui, remarquable. De plus en plus difficile. Écoute ça. Oh, juste au-dessus du crâne. Et à présent, señores et señoras, je vais écouter devant vous pour la première fois en Europe les lancements des poignards les yeux bandés. Oh oui, j'ai une idée. Et j'ai déjà commandé les 15 cassettes de la radio FM de Montréal au début des années 2000 et ensuite tenté les 7 boules de cristal dans la radio. Serrez encore un peu. Voilà. Je vous remercie. Un une cible de bois de 15 cm de diamètre environ. L'Indien la prend entre ses deux mains et la place à la hauteur de son cœur. Le silence le plus absolu règne dans la salle. Sauf peut-être dans une certaine loge d'avant-scène. Où... Il y a 3 jours, ça a failli mal tourner. Le poignard s'est planté juste au bord de la cible. 1 cm de plus et l'Indien était transpercé. Attention, capitaine, regardez. Está usted? Si. Bravo! Formidable, n'est-ce pas? Oui, c'était très bien.
Oui, c'est moi. Ah, bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Bienvenue sur l'autoroute du Québec. Fonce vers la porte, l'ouvre brutalement. Et il est très bien imité. Ah, vous trouvez? Eh bien, tenez, voilà pour votre décor bien imité. Allons, allons, capitaine, je vous en prie, ne vous mettez pas en colère. Tenez, venez, c'est peut-être par ici. Oh, mon Dieu, capitaine, attention! Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très drôle que le capitaine Haddock a tombé, a été blessé dans la buvette. En effet, la tête du capitaine Haddock émerge de la toile crevée de ce décor représentant la porte de la fausse buvette et dans laquelle il a donné imprudemment un coup de pied. Attendez, capitaine, je... Mon pauvre capitaine Haddock, il y a eu un accident comme ça, il est tombé dans la buvette de décor. Donnez-moi la main. Attention à la planche. Là. Je m'en souviendrai, tonnerre. En fait, le tonnerre, le capitaine verrait plutôt en ce moment des étoiles, car le coup a été rude. Il envoie des vertes, des jaunes, des bleus, des rouges. Il se relève péniblement, aidé de Tintin, et s'appuie contre une colonne de faux marbre. Mais... Ah, malheur. Le entraînant une énorme tête de vache en combat avec une cloche. Et la tête de vache vient coiffer le capitaine qui s'enfuit en criant. Mais moi, plus j'écoute, plus je ris énormément. Mais le capitaine n'entend rien. Il court droit devant lui, sans rien voir non plus. Même pas ses cordages à terre, dont l'extrémité est attachée à d'autres décors. Son pied gauche s'engage dans une boucle et... Capitaine, la corde! Mais il y a un décor! Attention! Trop tard, plusieurs décors viennent de s'effondrer. Une façade de maison moyenâgeuse couverte de folières, un mur de briques et plusieurs arbres. Le tout fort bien imité. Au nom du ciel, arrêtez, capitaine, une porte devant vous! Au secours, tonnerre de brèche! En effet, j'aime ça m'inscrire sur l'autoroute du Québec tout pour toutes les autoroutes du Québec, mais pas dans les Hautes-Laurentides. Et j'aime beaucoup juste l'M9 et les autoroutes du Québec ici. Parce que je trouve ça très drôle. Bon, écoute ça. Mais oui, mesdames et messieurs, du vin! Et si quelqu'un veut se donner la peine, mais oui, mesdames et messieurs, la peine de monter sur scène pour se rendre. Effectivement. Ouf, comme j'ai chaud dehors. Alors, je suis rendu à Villeroy, entre le centre du Québec et Chaudière-Appalaches. Je vais lire mon journal en papier sur le publisac gelé avec moi. Alors, on lit. Mon ado vit une relation fusionnelle avec son sel. De nouveaux locaux pour la cordonnerie notre nettoyée Blainville. Apprenez à danser en vous amusant. Cours des sauts gratuits de cha-cha, dimanche 16 septembre. Pour couple, réservez vos places. Je ne me souviens plus. Danse sociale de latine pour débutants et avancés. Et cours de salsa dès le 10 septembre 2018. Salsa bachata. Inscription www.siteweb.com. rue Golatino.ca Laval. Supplément la rentrée. À la recherche d'un service de garde, les cours de danse sociale avec Denis et Diane, c'est très agréable. Soirée rencontre d'âmes clairvoyants, canalisation, contact défunt, chez France Gagnon, médium. Ça, je ne connais pas cette personne-là. C'est parfait. Et maintenant, je vais installer ma tente verte et je vais enlever mon sac à dos. Et j'ai une bonne idée. Et sais-tu quoi? J'ai mon marteau pour clouer la tente verte pour faire du camping ici.
Je dois aller juste chercher mon marteau dans mes poches gauches. Ah oui, je l'ai trouvé, mon marteau dans mes poches. Et là. Alors, je vais te montrer faire une tente tout seul. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais installer ma tente avec mes clous pour clouer avec un marteau. Alors, je vais vous montrer. J'ai bien eu une surprise et alors, en commençant par me reposer pour lire mon journal sur le tour du vin Jean Lesage ici à Villeroy. Ah là là, ça fait du bien pour me reposer ici avec mon beau journal de Publisac. Bon, après finir mon livre de Publisac au complet, je vais aller jusqu'à Saint-Apollinaire. L'officiel d'autoroute du Québec, bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, veux-tu que je commande d'autres vidéocassettes d'enregistrement et parce que nous ne s'en servons plus que le VHS et parce que veux-tu commander par Internet mais-ce-qu'il-dit.ca? Oui, oui, oui. Pas de problème. Qu'en pensez-vous? Le 450-350-5401. OK. C'est l'adresse des Bobas de Grélobène à Rosemère. OK. C'est tout, monsieur? OK. Je vous remercie beaucoup et on vous attend. Au revoir. Alors, maintenant, j'ai une question à me demander et je vais me penser. Est-ce que ça se peut, les Yo Crunch avec des céréales Oreo sont ensemble entre le dessert et le déjeuner? Je vais vérifier et je vais prendre ma carte du chemin d'autoroute du Québec, mais on est à Chaudière-Appalaches et presque à Québec. Voyons. Oh oui, je suis rendu ici, mais plus tard, je vais écouter l'enregistrement des annonces au début des années 2000 du Québec. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ah, ça fait du bien d'aller à la salle de bain parce que j'avais envie. Mais justement, demain matin, je vais écouter l'enregistrement des annonces du Québec au début des années 2000 jusqu'en 2003 environ. Et oui, c'est juste ici sur l'autoroute. Et je n'oublie pas, c'est sûr. Chérie, je t'aime. Salut! Coupé! Je trouve ça vraiment drôle ou pas drôle, ils disent juste comme ça. Et j'aime beaucoup ça, regarder l'enregistrement des annonces Québec au début des années 2000. Oh oui, oh oui, oh oui. Encore cette annonce-là de la Volkswagen? Savez-vous que ça dure? Ça dure 8 ans d'enregistrement des annonces Québec au début des années 2000 jusqu'en 2003, mais pas 2004. Bon, j'ai goût de rester ici pour toujours sur le tour du Québec. Bon, les amis, là, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça se peut un éléphant en croquettes de poulet et un rhinocéros en croquettes de poulet et s'appeler un almarine chez Saint-Hubert pour les petits bébés?
Et attends une seconde, je vais aller juste m'asseoir sur ma chaise pour écrire que j'invente un décès, il s'appelait Sonic. Et parce que Sonic est mort de 1991 jusqu'à cette année. Alors je m'assois. Et je dis n'importe quoi, je suis pas mon ami, et parce que j'aime mieux juste ici sur le tour du Québec, tranquille, relaxé. Bon, je vais chercher quelque chose dans mes poches de pantalon. Je vais chercher mon crayon. Alors, attends-moi. Il y a une mouche dans mon oreille. Ah, le voilà mon crayon, à la mine. Et voilà, c'est fait. Oh, il manque juste ma gomme à effacer. Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire? Oh oui, je vais aller me promener ici sur l'autoroute du Québec. Mais il n'est plus là, Sonic. C'est terminé. Et j'ai inventé un dessin du pays de Sonic dans ma tête, justement. Mais en ce moment, je ne veux plus en parler de Sonic. C'est très sûr. J'ai goût de rester ici sur l'autoroute. Et je vais aller me promener ici sur l'autoroute du Québec. Wow, comme c'est beau la rivière dans la ville de Québec. On est le 15 août. On est encore l'été sur l'autoroute du Québec. La veine, j'en ai tâche et je vais en profiter de la belle journée ici. Et qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, j'ai fini d'écrire de ma liste de l'approvisionnement de l'autoroute du Québec qui me reste des travaux à faire. Mais je vais continuer à l'écouter mes cassettes d'enregistrement des annonces du Québec au début des années 2000. Et quelle année c'est quoi? Il y avait 2000, 2001, 2002 et 2003 jusqu'en 2004. Vous voyez, je ris beaucoup, c'est parce que du plaisir que je tourne mes cassettes d'annonces du Québec des années 2000 et toutes les cassettes d'enregistrement, ça dure 8 ans au complet. Et c'est tout. Et ça, j'ai entendu ça dans le narrateur d'IGA 2001 au Québec. C'est comme il l'a dit, les gens exigeants pour notre rendez-vous chez IGA. Il y avait un homme, une femme, je me souviens. Très bonne mémoire, j'ai vu ça ça fait 2 ans déjà. Alors, demain, je vais continuer à me promener pour voir quelque chose. J'ai goût de rester ici. Alors, ok, bon, les amis, vous écoutez. C'est important pour moi. Et j'ai vu une rivière de la ville de Québec vers toutes les régions touristiques du Québec. Et je ne tomberai plus dans la rivière. Et attends-moi une seconde, je vais juste le regarder de l'autre côté, alors attends-moi. Vous pensez qu'on va arrêter pour internet que maman m'a expliqué ça. Mais tout à l'heure, j'ai vu de l'eau partage sur l'autoroute, et il n'y a personne sur l'autoroute, et c'est juste la nature à cause qui pleut sur l'autoroute, mais des fois, d'accord. Vous voyez une rivière vers la région touristique du Québec? Et c'est sûr que je ne tomberai pas dans la rivière, c'est sûr que non. Alors je vais aller me promener dans 30 minutes. Wow, c'est une belle aventure ici sur l'autoroute jusqu'à la fin de l'autoroute 20 Jean-Lesage au Québec. Comme je suis très fatigué, je veux passer par le Bas-Saint-Laurent sur le 3 pistoles comme d'habitude. Un instant. Oh oui, je le vois, les autoroutes pour les longs chemins pour quelques heures. Et c'est long quand même, hein. En ce moment, on est au mois
entre la fin du mois d'août et septembre, je commence à avoir un petit peu froid. Et la prochaine fois, je vais prendre ma veste rouge. Alors, on installe les choses et je vais prendre une pause. Mais voyons, comment ça n'est pas connecté? Je vais lire. Vous n'êtes pas connecté à Internet. Impossible d'afficher cette page car votre ordinateur est hors connexion. C'est pas vrai! Mais je vais essayer de connecter d'Internet dans mon iMac ici sur l'autoroute et plus tard je vais passer par Saint-Philippe-de-Néry au Bas-Saint-Laurent. Wow, là ça marche! L'Internet, mais il s'appelait Wallen Autoroute Québec. Bon, en ce moment, il commence à faire frais dehors. Et c'est gratuit, mais Internet, il n'y a pas de mot de passe dans mon Internet. Je suis donc bien chanceux, mais je suis tout seul ici sur l'Autoroute Québec. Nous sommes venus par ici. Si, si, tenez. Vous voyez, voilà la porte de la buvette. Vous voyez? Haddock, sûr de lui, fonce vers la porte, l'ouvre brutalement et sur son élan, va donner du vent. Oh, un décor! Tonnerre de tonnerre! Je ris, je ris, je ris! Il est très bien. Allons, capitaine, vous en prie, ne vous mettez pas en colère. Tenez, venez, c'est peut-être par ici. Oh, mon Dieu, capitaine, attention! On rembobine une dernière fois parce que c'est mon préféré, je trouve ça très drôle dans une trame de bande dessinée de 16 bouts de grisaille, sinon ça marche pas. Ici. Rembobine. Eh bien, imité. Ah, vous trouvez. Eh bien, tenez, voilà pour votre décor. Écoute, ça c'est très drôle. Il fait attention et le décor qui tombe. Je commence à avoir un peu froid dehors et j'ai amené mon sac cadeau, mon manteau noir et c'est papa qui l'a acheté à Toronto. Je suis en train de lire des annonces du Québec et en ce moment, on est rendu au mois de septembre. Je vais lire. Voici mon plus exact sur les annonces du Québec mais pas à la télé. Je vais lire maintenant. Voici le super méga bingo. 10 000 $. 3, 13 et 23 septembre 18h45. Tout lundi, 5 fois 1 000 $. Tout mardi et mercredi, jeudi et samedi, 4 000 $. Tout vendredi, 5 fois 10 $. Tous les dimanches, 3 fois 1 000. Facebook, non, pas Facebook. Le petit palais de Fontainebleau, 75 boulevard des Châteaux Blainville. Cahier spécial, le petit palais de Fontainebleau, bingo. Alors, ok, supplément la rentrée. Guichet unique des Laurentides. Site web de www.milieufamilialaurentides.ca. Choisis un service de garde éducatif réglementé et subventionne la qualité de choisir un personnel qualité accompagné d'un programme éducatif reconnu par le ministre de la Famille. Nous avons avoir de vos enfants de queue, ça j'aime pas ça. C'est le temps de s'inscrire. Moi je n'inscris même pas parce que sinon je vais être un professeur. Hein. Journée porte ouverte mardi le 11 septembre 2018. Alors, mais pas de yoga, je veux plus avoir parlé de yoga, c'est terminé. Nouvelle adresse. Ça, j'ai pas besoin.
centre de formation horticole de Laval. Ça, je pense que j'aime beaucoup. Je sais plus quoi faire. Ça, j'aime beaucoup aimer ça. Peut-être. Ça, c'est moi qui décide. Pas moi qui décide. Alors, ok. Mais c'est tout ça. Bon, je commence à être fatigué de me lire des annonces du Québec. Ouf, comme j'ai bien dormi dans la tente sur l'autoroute et aussi comme je suis fatigué. Je pensais que je vais prendre ma carte et où est-ce que je suis rendu? Maintenant, je pense qu'on est à Saint-Philippe-de-Néry. Bon, écoutez, j'ai une très bonne question à me demander. Alors, vous allez répéter après moi, alors on mime dans les narrateurs du Tigre Géant. On est au mi-septembre. Et sa leçon s'applique. Consultez le tigregéant.com dans tous les détails. Parfait. Et maintenant, vous écoutez deux choses à me dire. Un, j'installe ma tente. Et deux, je vais écouter les enregistrements des annonces au début des années 2000 au Québec sur VHS cassette. C'est bon ça? Oui! Alors, allons-y. Ok, j'ai envie de jouer au quai sur l'autoroute et je vais essayer de compléter cette pine. Alors, je suis prêt. Essaye ça. Bravo! Le meilleur record de la partie! Et plus tard, je vais essayer de voir le champ du Bas-Saint-Laurent sur l'autoroute 20 à la fin du chemin. Et ensuite, je vais me reposer devant la télévision d'enregistrement des annonces du Québec au début des années 2000. Il y avait entre 2000 et 2004. C'est vraiment cool. Je ris. En ce moment, j'ai 25 VHS enregistrement des annonces du Québec au début des années 2000. Et alors, on s'en tourne et on vire de bord. Bon, les amis, je suis déjà prêt pour revenir ici sur l'autoroute après la neige a été fondue et on est au moins inconnu. C'est quand même l'été peut-être, hein? Je vais prendre mon journal du Nord Info. Le journal de mois de novembre, et ça fait longtemps ce journal, et parce que je l'ai avec moi. Je vais lire. L'achat local Blainville. Visitez le site web achatlocalblainville.com. A gagné 3 500 $ en crédit voyage. Ça, je veux pas. J'aime pas ça la Floride. Et j'aime beaucoup juste la M9. Et ensuite, a gagné 5 100 $ en prix instanté. Demandez à votre carte à gratter. Achat association des gens d'affaires de Blainville, Desjardins, Armada, gestion privée de la patrimoine, Blainville Inspirant, IGA, Canada Tire, Côtier et les portes. Et bien, et ensuite, immigration pour contrer la pénurie de main d'œuvre, ça je veux pas. Je veux pas y aller. Parce que j'en prends pas ça. Eh bien, c'est parfait. C'est bien, j'ai lu mon journal du Nord Info.
Bon, j'ai goût de rester ici sur le tour du Québec et je vais aller m'étendre sur ma chaise de plage ici sur le tour du Québec. Ah oui, je le vois loin de l'autoroute du Québec. C'est un building et peut-être un bureau de la ville de Québec. Alors, en ce moment, on est en ville et on est dans la région touristique de Québec. Ok, je vais vous montrer de l'autre côté de l'autoroute. Vous voyez le panneau jaune et fait le demi-tour, mais à droite. Et ensuite, j'ai déjà vu le building de bureau et quoi d'autre? Ah oui! J'ai une très bonne idée pour vous. Est-ce qu'on installe un bon pique-nique ici sur l'autoroute? Bon, je commence à avoir plus faim et j'ai amené mon mini-craft dinner pour le pique-nique. Je suis bien sur le tour du Québec et je pense que je vais faire quelque chose ici sur le tour du Québec. Bon, je vais me relaxer devant les enregistrements de la VHS des Annonces du Québec au début des années 2000, entre 2000 et 2004. J'adore le bruit de la cascade et comme on est bien tout seul sur l'autoroute du Québec avec une table de cuisine. Qu'est-ce que j'aime le temps de faire? Ah oui, j'ai une très bonne idée pour vous. Et c'est vrai ça. Il m'avait dit que j'ai le goût de m'étendre sur le sofa devant les enregistrements des Annonces du Québec dans les VHS cassettes dans les années 2000 au Québec. Ça, j'aime ça, cette annonce-là au début des années 2000 du Québec. Je suis en train d'écouter les enregistrements de la VHS. Le gâteau au bon goût de crème glacée. Elle en sert un gros morceau à sa petite amie. Un gros morceau à l'autre petite amie. Et un gros morceau à son petit frère. Le gâteau triple tour de McCain. Chacun a droit à sa part. J'ai tellement adoré ça, les annonces du gâteau à la crème glacée de McCain. Et ensuite, je trouve ça vraiment drôle, les enregistrements des annonces du Québec. Oh! J'ai jamais vu ça, l'annonce du temps des fêtes. Au début des années 2000, au Québec, du temps des fêtes. Et aussi, j'ai adoré ça, l'annonce du temps des fêtes. Et peut-être, j'aime souvent. Mais la prochaine fois, je vais aller à la chasse aux œufs de Pâques, mais sur le tour du Québec, mais sauf la 15, dans les Hautes-Laurentides. Et ensuite, j'aime beaucoup ici et à la mineure. Et merci à vous et à la prochaine. Framboise importante.